La justice a refusé que le prince Harry paye sa sécurité. Le prince Harry n'a plus de sécurité en Angleterre depuis son départ. Ce refus va coûter cher aux Britanniques. Cette nouvelle n'odorera sûrement pas l'image du prince Harry en Angleterre. Il y a quelques jours, le duc de Sussex a essuyé un nouveau revers judiciaire particulièrement cruel. La justice britannique a rejeté sa demande de payer avec ses fonds personnels sa protection policière, et celle de Meghan Markle, lorsqu'il se trouve au Royaume-Uni. Les parents d'Archie et de Lilibet avaient perdu cette protection aux frais du contribuable britannique lorsqu'ils ont quitté les rangs de la famille royale en 2020. Pour argumenter son refus, le ministère de l'Intérieur a fait valoir qu'il n'était pas approprié que des personnes fortunées achètent une protection lorsqu'il a été décidé que l'intérêt public ne justifie pas qu'elles reçoivent une protection sur la base d'un financement public. Puisque la Haute Cour de Londres a refusé d'ouvrir un procès, le prince Harry pourrait avoir à payer de sa poche les frais judiciaires. Et la somme est mirobolante, 500 000 livres. Et ce n'est pas tout. Les contribuables ont aussi cassé leur tirelire pour permettre au duc de Sussex de faire sa demande. À hauteur de 300 000 euros. Selon The Sun en effet, 978,52 livres de l'argent des Britanniques ont été consacrés aux frais du service juridique du gouvernement dans cette affaire. En plus de cela, 93 268 livres ont été dépensés pour l'avocat général, 660 livres pour les frais de justice, 2 958 livres pour la divulgation par courrier électronique et 16,55 livres pour un coursier, selon le tabloïd. Le prince Harry pourrait faire appel après ce revers judiciaire qui pourrait lui coûter très cher. Le prince Harry serait sur le point de contester le paiement des frais de justice et pourrait également faire appel de cette décision. Lors de cette audience, la police du Mai a fait valoir que la décision de supprimer la sécurité des Sussex au Royaume-Uni avait été prise dans l'intérêt public et a averti que si elle était obligée de donner au prince Harry des officiers armés, cela détournerait les ressources des VIP jugées plus à risque. Le système de sécurité protecteur du gouvernement britannique est rigoureux et proportionné. Notre politique de longue date consiste à ne pas fournir d'informations détaillées sur ces arrangements, car cela pourrait compromettre leur intégrité et affecter la sécurité des personnes, s'est félicité un porte-parole. Il ne serait pas approprié de commenter davantage la procédure judiciaire. But you wish that I was things I would do too.